tout le monde, c'est Fulito. On se retrouve aujourd'hui pour ce 14e épisode de notre aventure sur Pokémon Universe Crystal. J'espère que vous allez bien, que le dernier épisode vous a plu. Donc souvenez-vous, nous avons obtenu le 6e badge, donc face à Jasmine, voilà. Donc Jasmine, la championne de l'arène d'Oliville, qui était assez coriace, mais qu'on a dérouillé en un bon 10 minutes, même pas. Donc ça s'est très bien passé. Donc ensuite nous sommes rendus au Ruin Alpha, donc qu'on avait déjà visité dans l'épisode je sais plus combien. Je crois que c'était l'épisode 3 ou l'épisode 4. Mais qu'on ne pouvait pas visiter entièrement car on n'avait pas la capacité surf. Et donc du coup pour faire un épisode un peu plus posé, voilà, je voulais pas enchaîner tout de suite vers la suite. Je suis revenu ici donc pour la visiter entièrement, et c'est ce qu'on va faire encore dans la première partie de cet épisode. Donc je sais pas où je vais aller. Bah tiens, je vais faire cette salle. Bienvenue dans cette salle. Les panneaux coulissants représentent un Pokémon dessiné par les anciens. Bouge les panneaux pour reconstruire ça, je le sais. On se trouve la description du Pokémon. Au fond, des scientifiques analysent de nouvelles figures. Ok, bon, tiens, on va aller lui parler. Coucou. Récemment, d'étranges signes sont apparus. Bizarre. Ils n'y étaient pas auparavant. On va donc jeter un œil sur les murs. Ouais, bon, c'est bon, j'ai vu. Donc, on va continuer ce qu'on faisait avec nos panneaux. Hop. Comme ça, voilà, ça fera un épisode un peu plus posé, comme le dernier. Comme ça, j'enchaîne pas tout de suite. De toute façon, on a le temps. Ouais, ça fera. Enfin, je pense que le Let's Play tournera de toute façon autour de 30 épisodes, je dirais. À vue de nez, 30 épisodes. Et de toute façon, bah, les trucs qu'on n'avait pas visités, fallait bien les faire un jour. Donc pourquoi pas maintenant. Hop. Bon, celui-ci, il est beaucoup plus simple que celui qu'on a fait dans le dernier épisode. Je m'en sens un peu mieux. Là, comme ça, ouais, je pense. Donc ça. Là, ça va, c'est un Kabuto, voilà. Le dernier c'était un... Ah, ça va pas. Ah, je sais. Le dernier c'était un... Comment il s'appelle, j'ai perdu le nom. Un Ptera, voilà. Non, pourquoi ça va pas. C'est pourtant ça. Yao. Non, ça veut pas. Pourquoi ça veut pas. À moins que ça va non, ça va pas là, ça. C'est pas ça. On va essayer. À moins que c'est... Ouais, mais... Bon, il est plus simple, lui, non. Je galère quand même. Je vais être bon, là, non. C'est quoi le problème. Bon, de toute façon, si je prends trop de temps sur les panneaux, je fais peut-être des petites ellipses ou des accélérés. Enfin, pas pour celui-ci, mais pour les prochains. Enfin, quoique, ça dépend si lui j'arrive ou pas. Ça m'énerve. Pourtant, il ressemble à ça dans mes souvenirs, le Pokémon. Hop, hop, hop.
Moins que ça, c'est là, non. 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 Là, ça, c'est bon, ça, c'est vraiment, c'est bien dans le coin. Mais... Ah, là aussi, les bords se touchent. Ça veut pas. Pourquoi ça ne veut pas? Et si je mets... Je sais pas, je fais n'importe quoi là. Non, ah, on va tester. Mais je pense pas que c'est ça. Non. Ça fait un peu bizarre. Pourquoi tu veux pas, toi? Bon, je vais faire une petite ellipse le temps de trouver. À tout de suite. Ah voilà! Enfin! Purée! J'ai enfin trouvé! Phew! Ça faisait un bon 10 minutes que je cherchais. Alors, il y a une étrange présence ici. Bon. Bon, au final, je retire ce que j'ai dit. Il n'était pas facile. Non, mais c'était avec. Je sais pas, c'était avec les yeux et les. Et le bas. Il fallait que j'inverse. Enfin, le contour était bon, mais il fallait que. Je change la position. Toi, ça va pas me faire beaucoup XP, mais. Même fois minimum, voilà. Donc maintenant, on va aller. Vers les autres panneaux. Il y en a encore. Laisse-moi sortir! Oh bon, pour 40 d'XP, bon voilà quoi. Donc là-bas, il y avait de l'eau. Donc, on va y aller. Et je crois qu'il y a aussi un accès par... Ah non. Ah, je crois savoir c'est par où, ouais. C'est par la grotte. Laisse-moi. Ah non, quoique, en fait, tu dois me faire XP. Que de faire? Ah, ça. Ça fait pas beaucoup. Moi, c'est pas trop efficace sur toi. Bah, l'ombre. C'est tout? Oh non! Abusé. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Hop, on va prendre le vélo, voilà. Donc, là. Et, ouais, je vois bien. En fait, il faut sortir par... par la grotte, donc plus bas. Oh, il y a tout ça à se taper. On va claquer une super repousse. Super repousse. Super repousse. Ah. J'ai toujours du mal dans mon inventaire. C'est pas croyable. Là, voilà. Et donc, faut retourner dans la grotte. Enfin, ça, c'est vraiment un petit peu chiant, mais bon. On a tout ça à faire. Parce que, si vous vous rappelez bien, au début, quand on est passé pour la première fois dans la grotte, on va passer directement dans l'eau. Ouais, mais... Bon, j'ai compris. Faux. Parce que la première fois qu'on était passé dans la grotte, là, voilà. Mais... Ah! On va encore en mettre un.
Donc je disais, enfin, je vais terminer cette phrase. La première fois qu'on est passé dans la grotte, on pouvait pas aller dans l'eau. Et donc là, normalement, ça mène à un chemin. Voilà. Et il y a un dresseur. Bon, on va se le faire, lui. Ah bah ça alors, de la visite. Ouais, tu dois te sentir un peu seul, toi. Alors, qu'est-ce que t'as ? Des racailloux. Niveau 23. Bon. Que de faire ? Je sais pas si ça marche contre eux, mais bon. Ah bah si, c'est super efficace. Bon, c'est cool. On va te garder. Et on va faire que faire. Ah, oula, là ça va faire mal. Ouch. Oh non. Oh non, 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 résiste, résiste, résiste. Ouch. On va changer de Pokémon. J'ai pas envie d'avoir de chaos. Et toi, prends-toi ça dans la face. Et Evoli monte de niveau. Wouah! T'es pas drôle. Mais si. Donc, on va soigner notre Evoli. Et on va enfin lui donner le super bonbon. Si je le retrouve. Là. Voilà. Un relais. Relais, je sais même pas ce que ça fait relais. Non, non, on va pas la prendre. J'ai dit non, je veux pas la prendre. Effacer, non. Arrêtez, oui. Voilà. Et on continue. Encore un dresseur. Ouais, mais il y a deux chemins. Alors, un chemin où on peut utiliser force. Bon, on va aller là. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de compagnie. Sois sympa, combat! Si tu veux. Hop, que de faire? Et cette fois, ça t'aurait à marcher? Bien sûr que non. Bon, c'est ça le petit désavantage de que de faire, c'est que c'est pas super précis. Hop. Ça marche aussi bien. Voilà. Bon, par contre, on prend un petit peu cher. Ouais. Heureusement qu'on a beaucoup de super potions de côté. Ah, tant mieux. Oh, une cravalanche. S'il te plaît. Ah, voilà. Faut juste le supplier. Et ça marche. Ouais, je te comprends. Moi aussi, si je perdrais, je ferais aussi. Donc, on va encore soigner notre Evoli. Voilà. Et on va aller là. Alors là, il y a quoi là? T'es un dresseur, toi?
Oui, t'es un dresseur. C'est bizarre ici. C'est toi qui es bizarre. Alors, t'as quoi toi? Un girafarig. Stylé. Mais je n'ai pas peur de ton girafarig. Voilà. Hop, une deuxième fois. Kiki. Donc on va aller là. Ouh là là. Je vois c'est quoi, mais ça va être chaud. On va. Je vais peut-être faire un accéléré. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà. Je ne trouve pas, je vais faire une petite ellipse. Hein. Parce que sinon, je ne sais pas, mais je vais faire une petite ellipse. À tout de suite! Bon, j'ai enfin réussi. Eh ben, c'était chiant. Ça fait au moins 20 minutes que je cherche. Ok. Donc là, on atterrit toujours dans la même salle. Ouais, merde. C'est plus haut. Phew. Et donc, du coup, eh bien, on va retourner dans la grotte pour le deuxième chemin. Donc, je vais refaire une petite ellipse. Voilà, ça fera beaucoup d'ellipses, mais bon, je vais en refaire une. Alors, juste d'abord mettre une super repousse. Et je dis ellipse. Allez, à tout de suite. Hop, nous revoilà à l'endroit où on était tout à l'heure. Hop, ça, je bouge et on va aller plus bas. Voilà. Attention à ne pas passer là. Donc, la dernière. Alors, j'espère que ça ira cette fois-ci, que je vais pas passer 20 minutes. Mais bon, de toute façon, je vais quand même faire un petit accéléré. We'll be right back.
Bon, je vais faire une petite ellipse pour vous éviter de mettre au moins 20 minutes d'accéléré. Ah, enfin! Ouh, alors lui, il était bien compliqué. Lui, il était hard. Oh purée, plus jamais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont eu dans la tête? Ben, qu'est-ce qu'ils ont fumé pour faire des trucs comme ça, quoi? C'est horrible. Bon, bien, on les aura tous faits au moins. Et bien sûr, cela n'a servi strictement à rien. Enfin, on va quand même aller vérifier auprès des chercheurs, mais à mon avis, je pense pas. Des Pokémon sont abruits dans les ruines. Là, ça prend une belle. Alors ça, tu l'as déjà dit. Ouais, ça servait à rien. Peut-être pour faire apparaître de plus en plus de Zarbi. Mais apparemment, ça n'a servi à rien. Bon. Bon, au moins, on aura fait ça. Bon, on aura fait un épisode un petit peu posé, un peu chiant dans un sens, mais bon. Fallait bien le faire un jour. Et du coup, eh bien, on va se diriger vers la suite. Juste. Pas là d'abord. Juste à la Dubonville. Donc, comme la dernière fois. On va retourner chez le toiletteur. Je vais soigner mes Pokémon. Pouf. Ah, ça fait 1 heure que je tourne. Ah, pour vous, ça fera beaucoup moins. Avec les ellipses et les accélérés. Mais pouf, le dernier était vraiment bien hard. Hop, ok. Bon, on va faire ça. Il fait déjà nuit. Il y a à peine maintenant que je m'en rends compte. Bon. Je suis le cadet. Ok. Ouais. Mon petit éboli, voilà.
Allez hop, terminé. Évolue a l'air un peu plus heureux. Cool. On va aller voir la dame, bah celle qui dit si notre Pokémon est heureux ou pas. Voir si ça a changé par rapport à la dernière fois. Par contre, j'oublie toujours où c'est. Je crois que c'est là. Ouais. Si tu traites tes Pokémon avec amour et te le rendront bien, ok. Oh, montre-moi ton Evoli. Tu es vraiment un amour. Un nuage de bonne humeur, de gentillesse flotte au-dessus de toi. Ok, dis la même chose que la dernière fois, c'est pas grave. Et donc du coup, on va enfin se diriger vers la suite. Hop, non, là. On retourne à Rosalia. Et donc, nous allons nous diriger, cette fois-ci, par le chemin de droite. Plutôt vers le chemin de droite, ça va un peu rien dire ce que je dis. Et donc, du coup... Voilà, alors là, ici, c'est... C'est le mont creusé, il me semble. Ouais, mont creusé, grotte cascade intérieure. Donc, on pourrait passer par là. Et on arriverait de l'autre côté. Sauf que, on va dire, c'est comme les ruines alpha, je préfère le faire plus tard, quand on aura la capacité cascade, car dedans il y a une cascade, et pour tout explorer, il faut l'avoir. Donc je préfère l'explorer la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois. Quand on aura cascade. Et donc du coup, on va passer par là. Ah, parce que sinon, on arriverait ici. Bon, on fera ça une prochaine fois. On va récupérer ça. Et là, il y a... Coucou, toi. Ça fait deux épisodes qu'on t'a pas vu. Ben... On va venir te voir. Mais bien sûr, tu t'échappes. Comme d'habitude. Un arbre free. Hop, on va récupérer ça. Bon, c'était succune. Il voulait nous faire coucou. Un arbre à fruits. Bon, c'est vrai qu'on pourrait aller donner un Fargas. Bon, on va peut-être. Peut-être qu'on lui donnera ça un autre jour, quoi. Pour le moment, je veux me rendre dans la prochaine ville. Toi, t'es un dresseur, je parie. Je vais te montrer la puissance de mes Pokémon. Bon, eh bien, montre-moi la puissance de tes Pokémon. Un Quillfish. Ok. Eh bien, regarde ce que mon Evoli va te faire. Ah, oh, sérieux. Tiens, prends-toi ça. Hein? C'est pas juste. Mais si, voyons. Bon, on va se soigner. Enfin. Claquer un antidote. Coucou. Et hey, toi, c'est mon territoire ici. Dégage. C'est toi qui va dégager. Un Nidorina. Nidorina. Vas-y mon petit Evoli. Que de faire? Nidorino. Bon. Morsure. Oh oui. Ça va, on résiste bien.
Haha, j'aurais dû utiliser ma jolie pierre lune. Ouais, enfin, ça aurait rien changé. On va remettre Typhlosion. Parce que là, c'est un petit peu la nuit et on sait jamais s'il évolue, si Evoli évolue en Noctali. Ça serait pas cool. Ah, l'air pur, c'est la fête. Car pour Mentali, faut qu'il évolue en plein jour. Hop, coup de boule. Non, on va garder notre Typhlosion. Ah, c'est vrai que là pour l'instant, enfin, je me concentre vraiment sur Typhlosion et Evoli. De toute façon, dans pas longtemps, on risque d'avoir nos prochains Pokémon. Donc, ça sera cool. Hop! Encore un trio piqueur. On va te garder. Vas-y, roue de feu. On monte de niveau. Niveau 39. Gouaha! Ok. Et nous voici donc à Akajou. Une petite ville avec une belle petite arène qui est bloquée pour l'instant apparemment. Bien, nous verrons ça dans le prochain épisode. Donc on va se laisser ici. Hop, bon, en tout cas j'espère que l'épisode vous a plu, même si bon, c'est peut-être pas très passionnant de voir les panneaux de la rune, des runes alpha. Mais bon, ça change un petit peu, voilà. Il faut aller bien le faire à un moment donné ou à un autre. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce vert si jamais la vidéo vous a plu, encore une fois. Et donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 15. Donc on fera le tour rapide d'Akajou, car vous avez vu que c'était une petite ville, pas bien grande. Et ensuite, eh bien peut-être on fera l'arène, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, vous verrez bien. Allez, bye tout le monde!